beaucoup pour ce rapport très intéressant dans lequel l'OIT nous indique que le commerce de gros et de détail fait partie des secteurs les plus impactés par la pandémie. Dans ce secteur, certains acteurs s'en sont, au contraire, mis plein les poches. Et je pense ici à Amazon. Amazon qui a maximisé son activité et ses profits en profitant de la situation de confinement. Amazon, dont le patron Jeff Bezos a vu sa fortune augmenter de 24 milliards de dollars en quelques mois. Et tout cela au détriment des employés. J'ai auditionné des salariés d'Amazon qui venaient des quatre coins d'Europe et tous disent la même chose. Ils nous disent qu'en plein pic de la pandémie, ils ont été désinformés et dans la peur, qu'ils ont été obligés de travailler sans tenue adaptée, sans gants ni masque, avec impossibilité de respecter les distanciations physiques et que, pire encore, des pressions ont été exercées sur les salariés s'ils refusaient de venir travailler en raison du Covid. Alors ma question est simple, pouvez-vous me dire si l'OIT est au fait des agissements d'Amazon et si vous prévoyez une étude sur le sujet? Merci beaucoup. I can't speak directly to Amazon other than to say that there has been a long-term trend toward online commerce. Amazon has been, of course, one of the, if not the biggest beneficiary of that trend. And what that is, you know, doing to small firms is obviously creating a big challenge. And we've seen enterprise destruction as a result of this shift.